Salut à tous, c'est ShadowWeaver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nova Ride Fun. Yo les gars. Et oui, aujourd'hui ça fait vraiment super plaisir de me retrouver avec lui. Il est passé à la maison, ça faisait vachement plaisir. Du coup on s'est dit de faire une petite vidéo comme ça pour le présenter en facecam, parce qu'il n'avait jamais fait de facecam. J'ai trop peur. Voilà, donc sur ma chaîne c'est le bon moment pour vous le présenter un peu, parce qu'il y en a peut-être qui le connaissent pas. Ça lui fera peut-être gagner quelques abonnés, peut-être ça pourrait être vachement sympa pour lui. Et à 100 abonnés ça sera le champagne, on adore. Et du coup vas-y, décris-nous un peu depuis quand on se connaît, depuis... Actuellement avec Shadow ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. On s'est connus, on était en bébé foot, donc on est 5-6 ans, c'était il y a très longtemps. Et tout simplement, on n'était pas dans le même établissement scolaire en primaire, mais au collège et au lycée, on était ensemble. Et en troisième, c'était vraiment une bonne année. Dans la même classe, je peux vous dire que ça a assuré grave. Et donc, au lycée, on est dans le même établissement, ça fait qu'on se voit beaucoup, limite toutes les semaines. Ce qui permet vraiment de parler de notre team, un peu de tout et de rien. Et voilà. Et pendant les vacances, de bien se voir aussi, ça fait plaisir. Et on s'est dit de faire une petite vidéo comme ça. On a beaucoup de projets, dont une vidéo. Cette vidéo là sortira normalement lundi. Bon, je sais plus vraiment la date, mais bon, on va pas s'embrouiller sur ça. Et du coup, on a une vidéo coup de gueule qui va bientôt sortir. Peut-être avant sur la chaîne de Red Fun, ou peut-être en même temps que moi. Donc une vidéo prochainement, mercredi ou jeudi, sur un coup de gueule tout simplement sur l'histoire de Call of Duty Advanced Warfare, des choses qui nous plaisent pas trop. Vous verrez bien, on vous en dit pas plus. Et on a d'autres projets aussi, de faire des petites vidéos délire, peut-être sur Far Cry, sur Call of Duty Advanced Warfare aussi. J'avais fait une vidéo infectée il y a vachement longtemps. Elle était plutôt pas mal, mais on n'avait pas encore Skype Recorder, on était un peu des gros noobs. Donc du coup, tout simplement, on n'a pas trop pu s'enregistrer. C'était dommage. Là maintenant on commence à vraiment avoir le matos minimum pour faire vraiment des vidéos où, des best-of où il y a vraiment la voix des deux personnes. Et ça peut vraiment donner quelque chose de fou quand même. Ouais, ça peut être vachement cool de pouvoir vous faire rigoler. Même si je sais que le principal sur ma chaîne c'est Call of Duty, et sur la chaîne Red Fun aussi. Mais peut-être que vous proposez un petit Far Cry pour rigoler, ou même en infecté pour rester dans le sujet de base sur Call of Duty Advanced Warfare, ça pourrait être assez sympa. Dites-nous le dans les commentaires. Et sinon n'hésitez vraiment pas à aller checker la chaîne à Nova Red Fun. Je pense que ça lui ferait vraiment plaisir qu'il prenne à... Ça serait cool. Ouais, voilà. Bien. Ça serait assez sympa. On ferait je pense qu'il ferait une grosse vidéo pour ses 100 abonnés aussi. Ouais. Ça pourrait faire cool. Et aussi, petite parenthèse pour Rainbow Six Siege. Donc, Nova Red Fun va se prendre ce jeu là. Moi, c'est pas encore sûr que je le prenne, mais pareil, si jamais on arrive à se le prendre, je vais vas-y, dis le projet qu'on a. Si jamais moi je me le prends, donc simplement, moi c'est sûr que je me le prenne car Advanced Warfare vraiment me saoule. Et les gameplays de Rainbow Six Siege. Qu'ils font voir en ce moment même, tout simplement ça envoie vraiment du lourd, vraiment un jeu de stratégie où il faut vraiment, vraiment jouer avec des potes et pas avec n'importe qui, comme sur Call of Duty d'ailleurs. Et tout simplement, avec Shadow, s'il se le prend, on a peut-être le projet de faire un roster de la team Snipe sur Rainbow Six. Donc ça serait vraiment cool que la Snipe se développe sur d'autres jeux FPS aussi. Car moi Shadow, on joue beaucoup FPS. Surtout du Call of Duty, car on peut dire que c'est vraiment un des plus gros FPS au monde. Mais vu que Advance n'est pas... Et en ce moment, on galère vraiment à faire des gameplays dessus. Vous verrez dans la vidéo coup de gueule de toute façon. En tout cas, c'est sûr, il va y avoir Rainbow. Moi, il y a vraiment la dose de gameplay dessus, les gars. La masse de vidéos. On attend dans BO3, le Saint Graal, le sauveur. Et Rainbow Six, ça permet d'avoir un nouveau souffle un peu, parce qu'avant dans les anciens Call of Duty c'était stratégique. Maintenant il y a beaucoup de gens. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, vous le verrez dans la vidéo mercredi ou jeudi, on en a vachement parlé. En tout cas, as-tu quelque chose à dire ou pas? Non. Bah voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à checker en masse la chaîne Nova Red Fun, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis ciao les gamers, peace. A plus les gars.